Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors, avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur cette map Race Color Switch. Le code sera en description, en commentaire épinglé. Donc si vous vous connectez tous les jours, une à deux fois par jour sur cette map, on débloquera l'XP de cette map créatif et nous pourrons vous proposer de meilleurs glitchs, genre des glitchs qui vont vous rapporter 5, 10, 15 niveaux par glitch. Donc merci à tous ceux qui se connectent tous les jours et le code est en description, en commentaire épinglé. Alors pour le code de la map de glitch de cette vidéo, je vais vous le donner, c'est le 1, 2, 9, 4, 9, 3, 8, 4, 5, 0, 9, 4. Voilà, vous entrez ce code-là dans les codes de la map. Ensuite, vous appuyez sur triangle pour lancer la partie, lancer en privé pour pas être dérangé par les autres joueurs. En attendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique Fortnite et rentrer le code SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc là, on va attendre tout simplement que le jeu se lance. Quand le jeu est lancé, vous appuyez sur option, menu, lancer le jeu. Et là, je vais vous présenter trois glitches qui vont vous apporter énormément d'XP normalement. Donc, ici, on attend 10 secondes que la map se lance. Ok, donc quand la map est lancée, vous descendez ici en bas. Le premier glitch que je vais vous présenter, c'est le glitch avec la voiture de Rocket League qui se trouve sur cette petite colline à droite. Donc vous construisez jusque là-bas. Oh, désolé, Hachoum. Je crois qu'il y a ma femme qui pense à moi, je crois. C'est pour ça que j'ai le chou. Ah, et je crois que c'est elle qui marcelle deux messages. Enfin bref, vous allez jusqu'à la petite voiture Rocket League qui se trouve sur la petite montagne là. Et normalement, ça devrait nous rapporter pas mal d'XP. Donc là, je suis combien en XP? Il manque, je suis niveau 2, il manque 18 000 XP pour le prochain niveau. On va voir combien ça va me rapporter. Ok, donc quand vous êtes près de la voiture, il y a un petit bouton Earn XP devant la voiture, vous cliquez dessus. Et là, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 4, 6000, 5, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, ouais, 12000, 12000, 13000. Je pense que ça m'a rapporté 13000 facile. Alors ensuite, le deuxième glitch se trouve là-bas, près de la rampe où il y a les escaliers. Donc vous dirigez par là. Et vous allez construire jusqu'à la rampe qu'on peut voir accrochée. Bah, en fait, même pas jusqu'à la rampe noire. Hein. Construisez directement au-dessus de la montagne en haut, en fait. Mais bon, vous repérez la montagne grâce à l'escalier noir qui est accroché à la montagne. Donc là, on va monter encore un peu. Et quand vous allez être en haut de la montagne, vous allez voir qu'il y a un autre bouton pour gagner des XP, comme d'habitude. Tac, tac, tac. Ok, let's go. Donc là, vous allez au milieu de la montagne. Regardez, il y a un bouton Earn XP. Vous interagissez avec. On va voir combien ça va me rapporter. 3700, 3005, 5002, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000. Ouais, ça m'a rapporté plus ou moins 12000 XP. Ok, c'est parfait. Donc maintenant, le dernier glitch, c'est sur la troisième montagne qui est juste là. Donc à côté des Sky Color. Donc pareil, vous construisez jusque là-bas. Et vous allez interagir avec le bouton que je vais vous montrer. Alors, petite information supplémentaire, cette map, elle va me rapporter elle m'aura rapporté 45 000 XP, 50 000 XP, plus ou moins. Donc, si vous voulez faire x5, il y a une technique secrète que je mettrai en description, en commentaire épinglé, qui vous rapportera 5 fois plus d'XP pour chaque glitch que vous faites. Donc, si vous utilisez cette technique, ben, vous pouvez gagner 5 fois 50 000 XP. Ça fait 250 000 XP facilement, très rapidement. Donc, voilà. Profitez-en un maximum.
Et si vous ne connaissez pas la technique, ben n'hésitez pas à aller voir. Après, je sais pas si ça fonctionne sur toutes les consoles, mais en tous les cas, sur PS4 et PS5, ça fonctionne. Sur PC, Xbox, je ne sais pas, mais PS4, PS5, ça fonctionne. Et j'ai encore essayé tout à l'heure, ça a fonctionné pour moi, donc c'est toujours pas patch. Donc hop, vous allez ici, normalement en plein milieu, il y a un bouton RNXP, boum, vous interagissez avec, et là, ça va vous donner encore des XP. Donc 3004, 5000, 6008, 7000, 7000, 10000, 12000, 13000, 14000. Voilà, ça m'a donné 14000 XP. Donc j'ai fait un plus ou moins 50000 XP avec ces 3 glitches. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakul Mec et ciao. Peace.